Nordic. Journey has been lonely. I've been in places I couldn't abide. Now I'm calling someone to tell me which way I should find. I've been on the edge such a long time, defying what they decide for my own life. Yes. Un drôle d'hiver, un hiver doux, un hiver qui n'a pas livré toute la neige nécessaire à l'organisation de la foulée blanche sur le plateau du Vercors. En tout cas, au marathon en skating du dimanche. Car le samedi, c'est une foulée classique de belle facture qui a été disputée sur le plateau de Gef sur les hauteurs d'Autran. Il y avait d'ailleurs foule. 500 coureurs ont pris le départ, des populaires, mais aussi des têtes d'affiche bien décidées à récupérer les titres conquis l'an dernier par Gérard Agnelet et Céline Cheparlalier. Casting that you're making me forget. Casting that you're making me forget. Sur l'épreuve reine du 25 km, dès le début de l'engagement, les hommes du team Vercors Isère ont prévenu leurs adversaires. Ils étaient chez eux et ne laisseraient personne venir leur chercher des poux dans la tête. Louis Schwartz, Yann Bélorget, Jérémy Royer, Robin Duvillard ou encore Clément Arnaud verrouillaient la tête de course. Au premier sprint intermédiaire remporté par Arnaud, Mathis Loret, Gérard Agnelet ou encore Paul Goalabré du team nordique Crédit Agricole Franche-Comté ne lâchaient pas prise. Le premier à quitter le groupe a été Camille Laude, l'enfant du pays. Ça a direct bien répondu, j'avais des skis super, j'avais la forme, on a fait le premier tour ensemble, au deuxième tour, bah Clem il me dit d'y aller, j'avais les jambes, je pars. Et dans la descente, on a rattrapé les derniers du premier tour. J'ai tapé l'épaule d'une dame, ça a fait petit accident, j'ai réussi à repartir devant, mais après, à côté on n'a pas n'importe qui, c'était quand même un sprinter de l'équipe de France. Clément Arnaud qui enlevait d'ailleurs le second sprint du jour. Des talents de finisher qui allaient permettre à l'Autranais de remporter cette 42e édition. Allez, ça se joue au sprint, c'est très rapide. Moi j'avais des skis juste parfaits pour le finish. J'ai repris et voilà, je me suis fait violence en poussée. Mais on est très heureux de faire un et deux du team, c'est super pour nous, pour la poulet blanche, pour il fait beau, ils ont eu vraiment raison de la maintenir. C'est un super bel événement, on est super contents de remporter la course aujourd'hui. Ils étaient plus forts et voilà. Mais Gérard Agnelet n'a pas démérité. Le troisième du jour regarde maintenant du côté de la Transjurassienne. C'est vraiment mon objectif, ça fait 3 semaines, je prépare que ça. Après voilà, j'espère qu'elle aura lieu. Et après moi, voilà, quand je départ, c'est pour donner le meilleur de moi, je me fais plaisir et voilà. Pendant ce temps, chez les dames, elles étaient plusieurs à pouvoir briller dans cette foulée classique. Such a long time defying what. Mais Juliette Ducourdeau, elle est jouée tout près de chez elle, sa partition en solitaire. Ah oui, en fait, les filles n'ont pas suivi. Du coup, je me suis retrouvée toute seule. Donc là, je me suis mis un petit coup de stress. Et en fait, j'ai récupéré 2 gars qui m'ont aidé. Enfin, on a fait toute la course ensemble à la fin. On se tirait la bourre et tout. Et c'était trop, trop bien. Sans surprise, la skieuse de Villard-de-Lans l'emportait devant Céline Chopard-Lallier qui, 4 minutes plus tard, franchissait la ligne d'arrivée. Ouais, Juliette était vraiment trop forte, elle est partie dans Grosjean et j'ai pas osé suivre parce que après il restait quand même, enfin c'était loin d'être fini, donc je suis montée à ma main et puis j'ai laissé partir et ensuite on a fait notre course chacun de notre côté. Puis, c'était au tour d'Emily Bull d'en finir avec son solo. J'ai commencé à lâcher au fur et à mesure dans la descente et après j'ai fait plutôt toute seule et à la fin on me disait que je revenais un peu et c'est vrai que je me sentais un peu mieux mais il manquait un peu d'accroche pour voilà, tenir au début et puis aussi un peu de technique. C'est Flora Dolci, la représentante des Hautes-Alpes, qui s'est imposée dans le 10 km. Sur la même distance, Louis Chichignou se battait jusqu'au bout contre Milan Pomatio pour triompher. C'est ainsi que s'est achevée la semaine foulée blanche. Elle avait débuté le mercredi avec 2000 collégiens et lycéens de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Avec la foulée Génération Plus qui a réuni le lendemain les plus de 50 ans et les enfants des écoles, puis la foulée classique de samedi où l'élite côtoyait débutants, patients du CHU de Grenoble et autres amoureux du ski de fond, la foulée blanche a une fois encore comblé tous ceux qui, dans le Vercors, ont eu envie de se faire plaisir au cœur de l'hiver.